Oh là 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 là, est-ce que je suis actuellement une enfant? Je suis en train de jouer à Little Nightmare 2 après avoir kiffé le 1. On se retrouve enfin sur le 2. Comment je suis trop excitée là. Malheureusement, avec toutes les précautions que j'ai prises, je me suis quand même fait spoil. Oh là là, c'est magnifique. Avec toutes les précautions que je me suis prises, je me suis quand même fait spoil quelques petits trucs de Little Nightmare 2. Parce que du coup, ce que je sais, c'est que le personnage qu'on jouait, que j'appelais Minimoys, s'appelle 6. On était dans l'antre, et là du coup on s'est échappé de l'antre et on arrive dans une ville. Alors par contre ça je sais pas du tout. Je sais aussi qu'on va voir Mono, et il est trop mignon. Je crois que je me suis aussi fait spoil, apparemment il y aurait un hôpital. Ouh là 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 là, il y a beaucoup de choses à lire là. Veuillez lire ce contrat attentivement, flemme. Oh putain, oh, mais il y a trop de choses à lire. Mais t'as cru que j'allais perdre mon temps? Ou alors par contre il y a ma PS4, elle va commencer à faire le nid d'avion, faites pas gaffe. Déplacer... Oh Mono! Déplacer le curseur sexuel à peine visible. Oui, on se rappelle. Oh, la musique! Je kiffe la musique. J'ai bien envie de voir les gars et ce sera beaucoup mieux pour la vidéo. Du coup, on va le mettre assez visible. Donc on va le mettre jusque là, je pense. Ah ouais, là on voit bien là. Ok. Oh là là, Little Nightmare 2, c'est parti! C'est parti. Ouais, bon, par contre, la PS4, elle va se prendre pour un avion sur la piste de décollage. Ça va pas le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une porte au fond là. Je vois une porte. Oh là là, ce fameux œil. Ouais. Oula, 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 oula! Oh! Mono! Coucou Mono! Et elle est où 6? Bah. Bonjour! Est-ce que toi aussi t'as un briquet? Oh, t'as pas de briquet! Mais non! Pourquoi il y a une télé là? Elle me met pas très à l'aise cette forêt. Oh attends, il y a un truc là! Haha! J'ai un cube! Je sais pas trop à quoi ça me servir, mais j'ai un cube. Bon, bah écoute, je suppose qu'on va devoir aller par là. C'est comme dans Little Nightmare 1 en fait. Ouais, voilà, faut aller par là. Pour l'instant, ça va, on est dans une forêt, ça fait pas très peur. En fait, qu'est-ce qu'on fout dans la forêt déjà? Super. Par contre, le cube... bon, bah, écoute, le cube... Ok. Y a pas de problème, Mono, hein. Je savais pas que t'avais la haine comme ça. Je sais pas ce qu'il faut faire avec le cube, mais je vais prendre le cube. Bon, je suppose qu'on va rentrer par là. Bah, évidemment. Super. On est obligé d'y aller. Bon, bah, je prends mon cube, hein. Oula, oula. Pourquoi? Pourquoi je vais là-dedans? Pourquoi je peux pas aller dans la jolie forêt, là? Et pourquoi j'ai pris le cube? J'ai pas envie d'aller là. Mais c'est le début du jeu. Le début du jeu, ça fait jamais peur. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un animal? Ah non, c'est... Ah ouais, non, c'est... J'avais pas vu, c'est des mains, des pieds... D'accord, j'avais pas compris. C'est joyeux. Bon, bah je suppose qu'on va passer à côté. Mais c'est affreux, mais pourquoi vous faites ça, les gens? Hop là, le cube! Non, tombe pas! Oh, ça se trouve, faut pas prendre le cube, hein. Hop là. Non, mais le cube, ça va être mon meilleur ami, jusqu'à temps que je retrouve 6. D'accord, par contre, tu vas peut-être m'aider à monter, toi, hein. Donc R2 pour vous accrocher. Attends, je balance mon cube, d'abord. Voilà, hop là. Mais pourquoi vous avez fait ça en fait? Ah non, Mono, Mono, je sais que t'es derrière l'arbre. Oh, on va y aller tout doucement. Le cube d'abord. Hop là, hop là. Alors tu crois que je le voyais pas ton piège là? Ah ouais, ah c'est pas sympa ça. Bon bah on va passer à côté hein. C'est vachement con quand même hein, ça se voit hein. Alors, ouais, attends. Hop là, toi tu dégages. Allez, ah. Attends, faut que je le tire maintenant. Allez Mono, je crois en toi et à ta force surnaturelle. Hop là. Le cube, tu seras mon ami jusqu'à temps que je trouve 6. Par contre, aide-moi quoi. Il est où? J'ai perdu mon cube, je le vois plus. Bon vas-y, m'a saoulé le cube en fait. Adieu le cube. Tu auras duré 3 minutes dans la vidéo. Y a pas encore de monstre. C'est quoi que ça? C'est quoi que ça? Mono, cours! Mono, cours! Cours Mono! Mono! Mono, s'il te plaît, cours. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. J'adore ma vie. Ah, oui. Je vois, je vois. Ah, d'accord, d'accord. Reviens. Il va falloir sprinter, Mono, hein. T'es prêt? Et voilà. Non, en vrai, ça fait pas peur, la forêt, là. Je dis ça pour relativiser, parce qu'en vrai... Comment je fais pour passer, là? Et pourquoi il y a une musique horrifique qui vient, là, tout de suite? Mais on va tomber, du coup? Non, je vais mourir. Bon, bah, on teste. Oh non, je suis morte. Mono, Mono, je te pensais plus résistant que ça. Ou alors... Je suis pas mort? Oh non, c'est bon, je vais bien. J'aime pas du tout la musique. Oh, il y a un truc là, c'est un corbeau. Ça va me bouffer si je descends parce que je suis aussi gros que lui. Hein. Ou est-ce que je lui sauterai pas dessus? Ah! Non, reviens. Je voulais un ami. Et là, bah attends, mais... Bah là, il y a littéralement un piège en fait. Je peux pas monter en fait. Faut que j'active le piège? Parce que là, il se voit un peu votre piège, hein, les gars. D'accord. Je pensais pas que ça allait être si violent. J'ai sursauté derrière mon écran. R2 pour saisir des objets. Ah, bah oui! Oh, la débile! J'ai pas changé, hein, entre Little Nightmare 1 et Little Nightmare 2. Tiens.
Tu fais exprès. Et tu jettes. Nickel. Oui, parce que fallait pas que ce soit moi la chaussure en fait. Moi, pour tester des pièges, je fais exprès de tomber dedans. Je suis seule au monde, de toute façon. Non mais là, c'est abusé, il se voit votre piège, hein. Faites pas genre. Pourquoi j'aime pas du tout l'ambiance là? Qu'est-ce qu'il y a là? Est-ce qu'il faut que je prenne le bâton là? Donne-moi ce bâton. Hop, merci. Ah ah. Et genre, si jamais je mets le bâton là-dedans. D'accord, j'ai cru que j'allais y passer, hein. Coucou, toboggan! Et encore un autre bâton là. Je kiffe les bâtons en fait. 6, c'est les clés qu'elle aime. Moi, c'est les bâtons. Moi, des pommes de pain. Attends, je veux des pommes de pain. Ah! Ah, ah ouais, d'accord. Alors, c'est ça le problème quand on est tout petit, c'est qu'on se fait manger par le piège. Ah! Est-ce qu'il faut que je prenne le bâton? Ah bah oui! Mais bien sûr, le bâton n'est pas posé là pour rien. Et ya! C'est bon, j'ai compris la mécanique du jeu. Ya! Ok, les pommes de pain, c'est pareil. C'est vraiment violent. C'est bon, c'est sans danger. Mais qui a piégé la forêt comme ça, là? Qu'est-ce que je fous dans la forêt, d'abord? Pieds nus. Oh, oh. Bande de malades. D'accord. Là, c'est vachement lumineux, ça me plaît pas. Ah, la civilisation. Pourquoi y a un bruit comme ça, là? Et pourquoi cette fenêtre, elle est ouverte? Elle me demande d'entrer, là, la fenêtre. J'ai pas envie d'entrer dans la maison, là, hein. Non, non, c'est sans moi, ça. Pourquoi je devrais entrer? Mais y a quelqu'un dans cette maison. Mono, tu vas pas entrer chez quelqu'un, quand même. Et si, ça allait où? Bonjour. J'aimerais bien qu'on voit le monstre tout de suite, parce que je suppose qu'il y a un monstre. Comme ça, j'aurais plus peur après. Bon, je vais essayer de faire le moins de bruit possible. J'ai dit, fais le moins de bruit possible, Mono! Pourquoi tu t'introduis chez les gens comme ça, Mono? Tous les coups, il y a quelqu'un derrière cette porte, là. Oh là 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 là, Mono! Mono, attends! D'accord, je peux aller par là, mais il y a une porte ouverte. Attends, je peux explorer toute la maison, là? Parce que là, il y a une porte ouverte. Par contre, la porte, là, me fait trop peur, je vais pas y aller tout de suite, hein. Ouais. Oh! C'est moi ou il a des dents? Il a des dents, hein. Il va me croquer. Ok, bah tu te fais le plus discret possible, s'il te plaît, Mono. Parce que là, derrière cette porte, il y a ta mort. En fait, faut que j'analyse. Ça doit être un garde forestier, hein. Ah non, c'est le chasseur! Oui, si, ça, je me suis fait spoil. Bon, bah super, je suis chez un chasseur. Mono? Équipez les chapeaux que vous avez récupérés dans le menu pause. Un visage. Ah non, ça lui va vachement bien en vrai. Mais non, je préfère largement celui-là. Je préfère le Mono de base. Il a des chaussures. T'es piqué ta chaussure. Putain, elle est énorme. Il chausse du 49. Fais moins de bruit, Mono. Il est toujours là. Si jamais il est plus là, je quitte le jeu, d'accord? Oh la vache, il est moche, il est moche. Il fait trop peur. D'accord. Non, Mono, on va pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, là? Oh là là, mais c'est trop grand chez lui. Il y a des outils qui pourraient lui servir à me découper. Oh la hache! Toi t'es à moi la hache. Ah je te le dis, t'es pas là pour rien la hache. Fais pas de bruit, mais fais pas de bruit! Il va descendre, tu vas rien comprendre. Oh! Vous connaissez la musique qui est en train de jouer à côté? Bah cette musique là les gars, je sais la jouer à la guitare. C'est le thème de 6. Oh! Je vais te sauver toi! Oh là là, je suis gris à 1000%, il va descendre. Je sais pas c'est qui ce petit, mais je vais le libérer. Attends, mais s'il joue le thème de 6, vous croyez que c'est 6? Genre sans son manteau? Vous croyez que c'est 6? Eh, attends. Ah! Non! Ne bouge pas! Je suis là pour t'aider! Ok, pose la hache! Je suis là pour t'aider! Non! Je suis là pour t'aider! Je suis un ami, je m'appelle Mono! Et toi, comment tu t'appelles? Viens! Oui, c'est ça! Je vais t'aider! Prends ma main! C'est long notre amitié. Ouais! Mais non! Mais tu vas mourir! Faut jamais faire confiance aux gens dans ce jeu. Vous croyez que c'était qui en fait ce petit là? J'ai l'impression que c'est 6. Qu'est-ce que je fais là? Ça fait combien de temps qu'il est enfermé là? C'est peut-être pas 6 finalement. Attends-moi! Reste pas tout seul! Il va se faire bouffer. Non! Il est là! Oh sa mère! Oh! D'accord, je te suis. C'est horrible! Mais alors ça... Ça, c'est moche. Ça, c'est dégueulasse. Ok, qu'est-ce que tu fais? Ah, mais c'est l'étage! Ah, d'accord, je vois ce que tu veux faire. Comment je fais? D'accord. Ok! Vas-y! Oui! Oh là là, j'ai pas envie de monter, hein. Bah écoute,
Déjà, je te propose qu'on ne monte pas et qu'on sorte dans la forêt. C'est beaucoup plus sûr. Je sais pas ce que t'en penses. Comment on va l'appeler, notre ami, là? Ils lui font un petit nom. Comment on l'appelle? Comment on t'appelle? Déjà, t'es une fille ou un garçon? Viens à la lumière que je te regarde. Mais j'ai l'impression que c'est 6, en fait. C'est toi, 6? Dis-moi. Bon, bah, on t'appelle comment? T'appelles 7? Allez, je t'appelle 7. Ouh là 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 là, ça ne me plaît pas du tout. Oui, reste avec moi, toi. Écoute-moi bien, si jamais je te perds de ma vue, je quitte le jeu. Bon, bah je te propose qu'on explore le grenier. Attends, à mon avis, ça, on peut le pousser. Tu m'aides? Oh là là, qu'est-ce que c'est précieux d'avoir un allié. Le monstre, il est quelque part par là. Ne me fais pas croire qu'on est en sécurité. Parce que t'étais quand même enfermé. Oh là là. T'as dit, on reste sur cette armoire pour l'éternité. Oh, la clé! Si je te donne ton manteau, tu deviens 6. Pour l'instant, tu es 7. Ça m'a l'air hors de danger. C'est un mec qui fait des momies. Ah, d'accord. Recommence, s'il te plaît. Ok, par contre, toi, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Je te laisse pas là, hein. Bah non, mais viens. Tu restes là, 7, hein. Si, quand je reviens, t'es plus là, je continue pas le jeu sans toi. Il me met trop en confiance. C'est une momie ou c'est un monstre? 7, tu pars pas, s'il te plaît. Je jure sur ma vie que si jamais il bouge, si je prends la manivelle, je hurle. Lâche ça! Ah, tu peux avoir la manivelle? Salut. 7? Ok, c'est bon. Hey, tu me laisses plus jamais seul, hein. Ah, ça va pas se passer comme ça la prochaine fois. 7, cadeau. Bah vas-y, je te laisse le prendre. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, d'accord. Ah. Non. Ah, ok, c'est bon. Tu prends la clé? J'ai pas pensé, mais imagine, il est en dessous le monstre. Tu veux pas descendre en premier, 7? C'est bon. Tu peux descendre, 7. Vas-y. Ah, l'extérieur. Ça me fait plaisir. On est libre, 7. Viens. Ah non. Attends, les empreintes de pas, elles vont par là, donc c'est-à-dire qu'il est dans la maison. Donc c'est bon. Pourquoi on pourrait pas partir? Pourquoi on est obligé de passer par le cabanon? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Il vient de m'arriver quoi, là? Mais pourquoi on est obligé de passer par le cabanon? Mais normalement, on est bon, parce qu'il est pas là. Les empreintes de pas, elles indiquaient qu'il n'était pas là. C'est quoi qui fait le bruit, là? Oh, putain. Il est là. Il est là. On va mourir. Mais il n'était pas censé être là. On fait comment? Pourquoi il a un sac sur la tête? Il a l'air vachement en colère. Ah ouais, non, mais j'ai compris. En fait, il dépece l'animal. 7, on fait quoi? Hey, je vous avoue, j'ai pas peur, là, les gars. Est-ce qu'on passe discrètement derrière lui? Faudrait juste pas qu'il nous repère, en fait. Ok. D'accord. Ça le fait. Qu'est-ce qu'on doit faire, 7? Oh, putain. Il m'a shooté? Non. Il est un peu lent. Faut se cacher derrière les caisses. Cache-toi là-dessous. Il fait peur. Non, on n'est plus là. On n'est pas là du tout. Pourquoi tu respires comme un asthmatique? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ah, je te tiens par la main. Viens là. Ah, je le tiens par la main. C'est trop... Baisse-toi. On va passer par le côté, d'accord? On va passer par là. Là, il nous verra pas. On se fond dans l'herbe. Eh, pourquoi il y a une focale comme ça, là? En fait, faut pas qu'il nous éclaire. Ah! 7, reste avec moi. Pourquoi il marche à côté de nous? Tu veux pas rentrer chez toi? Là, faut courir, 7. Hein. On court! J'aurais jamais dû faire ça. 7, viens là. Salut! Si je me lève. Ok, et là on va sprinter. Viens! Où sa mère? Viens. Mais si, c'est 6. Mais c'est forcément 6. T'as les mêmes pieds. Je les reconnaîtrais entre 1000. Bon, bah je pense qu'on a échappé au premier monstre. La lumière. 7, t'es où? T'es là, ok. Je t'appellerai 7 tant que j'ai pas la confirmation que tu t'appelles 6. Hein. On est libre? Ouais, ça m'a l'air. Comment je vais pour te tenir la main? Oh, on se tient la main, viens. C'est trop mignon. Ok, là il va falloir sauter. Non, faut pas faire comme ça. Tu fais comme ça. Ça a pas l'air plus sympa de l'autre côté. Ça te dit, on va par là dans la forêt là. Pourquoi on est obligé de suivre le chemin? Pourquoi on doit suivre la civilisation? T'as vu ce qu'elle nous a fait la civilisation? Ah, d'accord. C'est vrai que c'est mieux comme ça. Ok, à mon tour. Ah ouais, non. 7. Triangle pour appeler. 7. D'accord. Mais si, c'est 6. Bah, je vais t'appeler 6 du coup. Oh,
Oh, heureusement que t'as de la force, hein. C'est toi, 6. Je vais me poser la question, tant que t'as pas un imperméable jaune plastique, tu t'appelleras 7. Mais non, c'est 6. C'est 6 ou c'est 7? Bon bah j'espère qu'on retrouvera bientôt ton manteau parce que ça me perturbe là. On peut monter dans les cages. Oh, y'a un chapeau là. Ah, j'en étais sûr, fallait sauter. J'en étais sûr. Attends, tu veux me tester, tu veux me voir avec un chapeau? Y'a un cadavre là. Oh, c'est horrible. Eh, regarde mon flow. Je suis un pompier. Tu vas bien, mon pote? Dis-moi, comment on gère avec les filles? Parce que je suis pas doué là. Je sens qu'il y a un truc de plus entre nous, on s'est tenu la main tout à l'heure. il est là, lui. Pourquoi il est là? Viens, 6. 6, viens, 6. T'es complètement découvert là. Mais t'es complètement malade. Six, t'es complètement malade. Oui, j'arrive. Dans l'eau? T'es sûr? D'accord. Oh putain. Il est vénère, hein. Mais attends, mais moi je me noie avec mon sac là. Bon bah je pense qu'on va avancer, hein. Près du ponton pour pas qu'il nous voit. Ah attends, je sais ce qu'on doit faire. Regarde, on va passer en dessous. C'est parti! Concours d'apnée! Je vais me noyer, hein. C'est comme l'œil. Dès que sa lumière elle passe à autre chose, on fonce. Hop là, sous l'eau. Vas-y, viens, 6. Oui! Attention. Sous l'eau. Pourquoi il nous lâche pas aussi là? T'es vachement loin de chez toi. Oh, il y a un petit cœur là. Si, c'est pour nous. On va sceller notre amour ici. Mais il va nous voir. Mais il sait qu'on est là. Je suis où là? Ah, je suis là. Ok. Attends, il a un fusil le boug. Il est là. Il m'a fait peur. Oh putain, tu le vois le corbeau là qui va s'envoler quand on va s'approcher de lui? Moi je le vois bien là. Oh là 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 là. Reste là, vite, là-dessous. Oh non, il m'a eu. Non. Non. Bon, c'est parti. Viens, je te tiens la main, 6. On va courir. Ok, c'est parti. Attention. D'accord. On va y arriver, 6. Je te le promets. Je le jure sur notre amour. On va y arriver. Non, mais il a tiré à travers le petit trou, il nous a eu, vas-y. Et puis de toute façon, quand on se tient la main, s'il y en a un qui meurt, l'autre meurt aussi. On est liés par la vie, 6. Attends, au pire, attention, on laisse avancer. Et ouais, faut être patient dans la vie. Ok, tu te baisses. D'accord, là on a plus le choix. Baisse-toi, 6. Oh putain. Vite, 6. Mono, lève-toi. Ok. Oh, allez, attrape-le. Faut s'en servir. Lève-toi, Mono. Mono, vite. On l'a eu. On l'a tué. On peut pas y aller. Non, on l'a tué. Non. Bon, en vrai, tant mieux, il allait nous tuer. C'est comme ça qu'on termine le premier niveau. D'accord. Ok. Ouais, je t'aide. On va partir dans la mer, t'es sûr? T'es sûr que tu veux aller dans la mer? C'est pas une bonne idée, hein, moi je dis. C'est une porte, en plus. Notre ado, c'est une porte. Bah, d'accord. Eh bien, c'est comme ça que se termine notre premier périple, 6. Je sais pas trop où on va, mais on va loin. Toi et moi, on va vivre de grandes choses. Où est-ce qu'on va? Eh, notre ado, c'est une porte, hein. Ça va pas tenir longtemps. Ça me plaît pas du tout, cette ambiance-là. C'est une télé? Pourquoi y a des télés? Pourquoi y a des télés dans l'eau là? La pollution! Non mais où? Oh là 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 là, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! La ville! Enfin de la civilisation! Pourquoi ça s'effondre là les. Pourquoi les. Ça bouge? Pourquoi ça bouge? Pourquoi ça bouge là? J'aime pas ça! J'aime vraiment pas ça. T'es sûr que tu veux y aller? On peut faire le tour sinon, hein. Allez, tout va bien se passer. Viens, on y va. C'est notre futur. Oh attends, il y a quelqu'un là. C'est encore un esprit, il va me posséder. J'ai vraiment pas envie d'aller dans cette porte. Tu vas aller chercher le petit esprit. Possède-moi. Tu veux bien me posséder? Et voilà. Ah d'accord, et on finit le niveau comme ça. D'accord.
D'accord, j'avais pas capté. Donc, Little Nightmare 2, ça change du 1. Ok, oh. C'est quoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime pas du tout ça. Hé! Oh, la ville! Ça fait trop bizarre. Mais tu crois que c'est peuplé de créatures aussi moches que les autres, là? Eh, viens! Ah, c'est peut-être un bar. Mais ils sont passés où, les gens? Parce qu'il n'y a plus que leurs vêtements. Attends, c'est trop bizarre, là. Il n'y a plus que les vêtements des gens. D'accord. C'est quoi le délire avec les vêtements, là? Et les télés? Particulièrement les télés. Ah, d'accord. Oui, mais toi, tu vas pas pouvoir... Non, 6, je te dis tout de suite, je viens pas sans toi. 6! Non! Non, on me laisse pas tout seul! Ah! Non! Voilà, voilà ce qui se passe quand tu me laisses tout seul, 6. Je meurs. 6, s'il te plaît, reviens. Me laisse pas tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a crié, là. Hein. Ah! D'accord! J'arrive! Ah! Ah ouais, mais non, mais t'es un peu haut là, 6. Oh, c'est bon. Ah, je suis rassurée. Oh, faut pas me faire peur comme ça là. Mais c'est quoi le délire avec les vêtements et les télés en fait? 7 dit, on va dans une autre maison. Parce que franchement, je connais un petit bar sympa. Pourquoi? Donc lui, il s'est pendu aussi, mais il est plus là. Mais il y a un délire avec les gens qui ont disparu et il reste que leurs vêtements. C'est-à-dire que si on les retrouve, ils sont tout nus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me veut, la télé, là? Mono? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la télé, là? Mono, ça me plaît pas du tout, ça. Bon, bah, je pense que je vais courir vers cette porte. Parce que j'ai l'impression que j'ai que ça à faire, en fait. Mais wesh! Il se passe quoi avec les télés, là? T'as pas un briquet, s'il te plaît, on voit que dalle! Mais en fait, ça me fait plaisir de voir un peu de civilisation quand même. Mais non, mais s'il te plaît, pour une fois que je trouve une civilisation, eh ben ils sont plus là. C'est une école. Ah! Je n'aime pas du tout la musique! Et je vais baisser le volume! Voilà! Ça me défonce toujours les oreilles, mais c'est pas grave. Et si jamais quelqu'un a fait ça, ça veut dire qu'il a voulu s'échapper. Pourquoi on y va, nous? Il y a plutôt mis. Ouh là 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 là, ça ne me plaît pas du tout. Oh putain de merde! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vais pas assumer. Oh, je vais pas assumer d'être ici. Elle ressemble à ça, la vieille. Elle est hideuse. Non, 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 non. Oh là là, mais c'est quoi ça? Mais il est moche. Viens, on va là, c'est ouvert. Viens, on va dans une autre pièce. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on va retourner là-bas. Ah, d'accord. Comment ça se fait qu'il y a de la lumière derrière tes gros yeux, là? Du coup, il y a un trou derrière le tableau. Bah voilà! Nous on passe par les murs! Viens, on passe par la porte! Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Ah, je sais! Voilà, c'est ça qu'il faut faire! Vas-y, encore! Encore! Qu'est-ce qu'on fout là d'abord? Viens, viens avec moi toi! Mais fais pas de bruit! Elle est moche! Et puis je l'ai vue dans l'affiche du jeu là, elle a un coup extensible, je crois! Eh, je te jure, si elle m'attrape. Oh, c'est mort! J'y vais pas! Non, 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 c'est mort, c'est mort. Non, 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 j'y vais pas. C'est mort. Elle, je la combats pas. Tu ne fais aucun bruit. Tu fais un seul bruit, je t'abandonne, d'accord? Elle est pas là. Pourquoi? T'es quoi, toi? Il y a un troisième comme nous, là. Là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien. Ça, je le vois venir, là. Je le vois venir. C'est bon, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu peur. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ah! T'es qui, toi? Eh, ça va pas se passer comme ça. Oh, j'ai une démarche de vénère, par contre. Ah! La vie, j'ai trop peur, là, par contre. Oh là, je te jure, je vais pas me faire avoir par ce truc-là. Je me suis pris un de ces coups de lampe! Lâche-toi! T'es qui, toi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, 6! Non, mais lâchez-la! 6! Non! Oh, alors vous, ça va pas se passer comme ça. Toi, là. Oh, toi. Ah! Je te jure que je vais te tabasser! Si j'arrive à viser. Non! 6! Vous avez pris ma copine! Ça va pas se passer comme ça. Je vais les démonter à coups de marteau. Je vais les démonter un par un à coups de marteau, ces poteries. Toi, là. Ah! Je suis mort, là?
Je suis vachement faible quand même. Hop là. Et je te jure, la meuf là, elle me fait plus peur maintenant. Pourquoi c'est flou? Ah d'accord. C'est une professeure. 6. Ah, elle va me balancer une craie. Oh, la clé. Je prends la clé, je run dans la cachette. À tous les coups, je vais faire tomber le livre là. Oh putain de merde, oh putain de merde. Bah oui Mono, la gravité. En fait, j'ai envie de m'approcher pour voir à quoi elle ressemble. Et comme ça, j'ai plus peur. Ah, d'accord, ils sont pas de mon côté. Ah, les bâtards, ils sont pas de mon côté. Ah. Oh. C'est quoi ce monstre? Non! Non, 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 reste caché, Mono! Mono, tu sors pas! Qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui fais? Tu mesures sa tête pour mieux la couper? Oh, elle a la pomme croquée de la maîtresse. Oh, je suis hors de portée. Ah, la clé, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il va pas me faire de mal du coup. Il est attaché. Il va totalement me faire du mal, ce petit fou. Bouge pas, sinon je te casse. Voilà. C'était complètement gratuit, ça. Si, c'était là. Mais dis donc, c'est pratique d'avoir un coup extensible. Mais ça va pas, madame. Oh, oh putain, puis il y a encore un pot sur mon chemin. Prends le pot, Mono. Ne fais pas tomber le pot, Mono. Il y en a un, il est en train de passer un sale quart d'heure, là. Putain, il crie pas, hein. Elle est en train de battre à mort ou quoi, là? Faut juste faire tomber ça. Oh, pourquoi? 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 Elle va passer sa tête entre les livres. C'est faux, tu me vois pas. C'est faux, tu me vois pas. Non, c'est faux, tu me vois pas. Je suis pas là. Je suis pas là. Pars, s'il te plaît. J'ai envie de mourir. Je veux pas continuer. C'est sans moi. Mais elle est où, Sis? D'accord, il me faut une clé, là. C'était quoi, ça? Ah, lâche-moi. Pourquoi il y a des pièces d'échecs, là? Et ben voilà. Ah, attends, là, il y a la reine. Oh la vache, il a servi de roi, lui. Oh, j'aime pas du tout ça. Eh, je te jure, je me barre pas sans... Pourquoi t'as pris la couronne de la reine? Ah, il faut faire en sorte que ça soit échec et mat. Tu te fous de ma gueule. Je crois que j'ai que ça à faire. Ah, attends, il y a un truc derrière. Oh, oui, attends. Ok, j'avais raison pour la tour. Mais la reine, elle est pas là. Ça, je le mets là. Tu prends ça. Puisque du coup, comme ça, c'est plat. Je peux monter dessus, du coup. Je pourrais atteindre la table. Oh là là. Donc du coup, si je me rappelle bien. Toi, tu vas là-bas. La reine, elle va là. Et si je comprends bien, le roi, il va au milieu. Ça a allumé la lumière. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je comprends pas. Si ça, ça s'est allumé, c'est pas pour rien. Bah d'accord. Madame Longcou, j'arrive. Pitié, dis-moi qu'on retrouve 6 à la fin. C'est la cantine ici. Ouais, c'est la cantine là. On les entend, les fauves. Ça doit être vachement bon à la cantine, hein. J'espère que je vais pas leur servir de plat. Oh, mais à tous les coups, 6, elle est dans une des assiettes. Oh non, ça me fait de la peine. T'es tout seul. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Faut jamais me laisser tout seul avec toi. Oh, je vais me les faire. Mono vs les poteries, premier round. Ya. À qui le tour? À toi. Mais comment j'ai fait pour rater ma cible? Comment j'ai fait? Elle était devant moi et j'avais une chaloupe. Elle, elle avait des mains. J'aime les faire, les bols de céramique là. A qui le tour? Attends. Oh!
un génie, Mono! Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est des rageux de la vie, hein. Donc il se passe ça quand il n'y a pas d'adultes pour surveiller des enfants? C'est l'anarchie? Je me suis pris un bocal sur la tête, là. Mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas? Mais lui, il est teubé, hein. Oh là là, c'est terrifiant. Regarde cet enfant, là. Laisse-moi tranquille, bande d'animaux. Oh là là. Et l'école primaire, c'est un bordel, hein. Ah, ils sont presque mignons, là-bas, avec leur corde à sauter. Mais c'est flip. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais arrêtez de vous battre. Vous comprenez pourquoi j'aime pas les enfants? Hop, là, je remets mon petit sac. Bon. Les boutons comme ça, on connaît. On prend le bocal et généralement, ça marche tout seul. Super. Et ben, on va pas faire comme ça. Mais on est où, là? Pourquoi il y a un cerveau, là? T'es à qui, toi? Ah, bon. Oh, ça a fait un bruit dégueulasse, en plus. Oh, ça me dégoûte. Si j'aurais cru qu'un cerveau aurait pu me servir. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais t'es une professeure d'SVT, en fait. Elle a un couteau! Non, c'est un scalpel, pardon! Elle va découper 6. Non! Espèce de grosse malade! Parce qu'il faut que je saute là-haut. Ah! Ok, je sais ce que je dois faire! Ah, elle est en train de reproduire un corps humain. Ah! Ah! Sache-le que je t'aime pas! C'est un peu con de faire cours à des poteries quand tu veux enseigner de la SVT quand même, hein. Ok, c'est bon. Bon, bah, j'ai toujours pas trouvé 6. Oh putain. Ah, amenez-vous les poteries! Alors ça, c'était pas prévu! Donc la première là qui dessine encore un non-œil, elle dégage. Voilà. Lui là qui va arriver, ça dégage. Toi tu vas arriver, tu dégages! Que quelqu'un veut se frotter à moi? Je vous attends avec mon marteau. Ya! Amène-toi! Ok, on avance bien. Je te vois là, t'es pas ca... Oh putain, lui je l'aurais pas vu, attends. Coucou. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est 6. Amène-toi. C'est bon, 6, j'arrive. T'inquiète pas, c'est normal. Ça va? 6. 6. T'es encore vivante? C'est moi, 6. Viens. Je t'ai sauvé. Oui. Ça va bien? T'es pas blessé ni rien? Tu peux marcher? Ça, c'est ma 6. Viens là, 6. Allez, 6. On va partir de cet endroit. Tous les deux. Ensemble. Ya. On est sortis de l'école. Le piano, d'accord. 6, alors surtout, te mets pas en dessous, hein. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est intéressant. Ok. Ah! T'inquiète, je gère. Oh, attends, c'est pas fini? Hop là. Non, on va encore être séparés. Oh putain de merde. Qu'est-ce que tu fais, toi? Lâche ça tout de suite, c'est ma clé. 6. Merci. On va bientôt pouvoir sortir de cette école. Oh putain, c'est pas fini. 6. 6. 6. D'accord. Ouais, bah, y a pas de doute, c'est 6, hein. C'est elle qui a bouffé un humain, ça c'est sûr. Allez, ouvre-toi. À tous les coups, c'est la prof qui joue du piano, là. Et en fait, c'est pas une prof d'SVT, c'est une prof de musique. On va quand même pas descendre. Oh si, y'a une... Oh, ça va être dur. C'est faux, tu me vois pas. Ok. 6, tu restes là. Je risque ma vie. Ah, en fait, quand elle joue de la musique, elle m'entend pas, d'accord. Fais pas de bruit. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Vas-y, 6. D'accord, je reviens. Attends, comment je remonte? Attends, je peux pas remonter, là. Non. Je vais devoir bouger ça. J'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Remets-toi à jouer. T'as pas une très bonne ouïe, hein, quand même. Ok, là c'est bon, là on risque plus rien. Hi.
la vache! Mais c'était complètement taré, Sis! Ça te ressemble bien, tu me diras. Oh! On restera ensemble pour l'éternité. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va devoir faire ici maintenant? Mais au moins, on a un point positif. On a fini le deuxième boss, comme je les appelle. Par contre, ça va se casser. Ça, vous me faites pas le coup, ça va se casser. Sis, viens. Oh! Ça va se casser. Ça va se casser. Non, c'est bon, ça tient. Oh oui, ça tient. Ah, c'est bon. C'est trop bizarre. Pourquoi ils ont disparu comme ça? Si elle nous refait une crise où elle a besoin de manger, ça va pas le faire. Hein. Parce que là, y a rien à se mettre sous la dent. Mais attends, mais ça se trouve, c'est pas 6. Hein. Depuis le début, je pense que c'est 6. Oui, c'est vraiment joyeux par ici. On est obligé de rentrer là-dedans, je suppose. Putain, mais c'est toujours pas fini. Oh! 6! C'est pour toi, ça! Oui! Si, c'est de retour! Oui! Oui, 6! Oui! Je suis trop contente! Ça me fait trop plaisir de te retrouver, 6! Bon, bah on continue, c'est parti? Ouais! Hop là! D'accord. C'est pas très sympa encore, hein. Attends, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Ouais, t'as trop de la force, 6, quand même, hein, pour me soulever à chaque fois. Non, si tu peux réussir, s'il te plaît, je suis pas douée, j'ai pas réussi. Et hop là! Ah, faut que je monte sur le toit. Mono? Non, c'est bon, t'es là. Et c'est parti! En route vers le prochain boss. Oh, encore des conduits. Y'en a marre. Oh là là, mais il peut arrêter de pleuvoir. Et encore un lit, là, c'est trop bizarre. Bon, bah, de toute façon, on perd pas notre habitude, on rentre par les fenêtres. On est parti pour le troisième boss. Ok, et là, par contre, c'est l'hôpital. Ça, c'est sûr. Ouais, si, là, c'est l'hôpital. Oh là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé dans l'hôpital? C'est un hôpital ou c'est une prison? C'est un hôpital psychiatrique. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un, là? Ça va, mon ref? On peut t'aider à sortir si tu veux. Bon, il a pas l'air bien, le frérot. On va le laisser tranquille. Mais allez, viens, on rentre dans l'hôpital. Yaaah! Pourquoi c'est comme ça? Sis, je te dois la vie, hein. Mais pourquoi l'hôpital, il est comme ça? Mais c'est pas comme ça qu'on soigne les gens. Ah! Hein? Ok. Attends, ça y est, elle a pris les devants. Elle a retrouvé son manteau. Et elle a pris les devants, hein, 6. Mais pourquoi l'hôpital, il est comme ça? Eh, vous soignez pas les gens, les faisant dormir dans ces endroits-là, hein? Il y a quelqu'un en plus là-bas. Mais attends, mais il y a des gens. Il y a des gens sur les lits, là. Mais vous êtes sûr que vous les soignez, les gens? Vous les rendez pas un peu plus malades qu'ils le sont déjà? C'est quoi ces malades? Pourquoi il y a un disjoncteur ici? Alors là, par contre, j'ai aucune idée du monstre qui rôde ici, hein. On voit que dalle. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ici? Ou alors, il faut prendre le truc qu'il y a dans l'autre machine à laver. Ça, là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et voilà, la petite batterie, on la met là. Ah, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que c'est? 6? Ah, ça me fait peur. Ah, j'ai compris, c'était un ascenseur. Bon bah, tant pis. Les blessés, ils pourront plus prendre l'ascenseur. Ils devront prendre l'escalier, comme tout le monde. Oh, oui, la lampe torche. Oui. Ah, pourquoi il y a un œil? Pourquoi c'est si creepy? D'accord. Merci beaucoup pour la lampe torche. Au pire, vous pouvez allumer la lumière, vous savez. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Pourquoi il y a du sang au sol, là? J'ai trop peur. Ah, à l'aide. Vous savez, les gens, j'ai eu peur du noir pendant très longtemps. Putain, pourquoi? Non, 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 t'as pas intérêt à t'éteindre la lampe torche. Oh, j'aime vraiment pas les hôpitaux. C'est vraiment un des trucs dans lequel je suis le moins à l'aise. Putain, pourquoi il est barricadé? J'ai juré, ça, c'est vraiment le parfait film d'horreur, quoi. Bon, faut relativiser. Ils auraient très bien pu ne pas me donner de lampe torche, tu me diras. Ouais, je le vois, là, il faut qu'on aille. Oh, pitié, dis-moi qu'on voit le monstre tout de suite, comme ça, au moins, c'est fait. Pourquoi il y a du sang? Bonjour, bonjour. Ça fait trop peur, l'aide. D'accord. Tu veux quoi, Sis? T'en veux un autre? Voilà, ça, c'est pour toi, Sis. Ah ah. Oh, non. Ok, c'est bon, j'arrive, la télé. Ah, pourquoi ils sont amputés, là? Ah, c'est trop bizarre. La télé. J'arrive. Et pourquoi tu fais ça avec la télé, Mono? Super, je suis de retour dans le couloir. Mais où est-ce qu'elle mène, cette porte? Voilà, c'est bon, 6, j'ai fait mon truc avec la télé, tout va bien. Pourquoi vous faites ça avec des cadavres? Vous faites des momies? Ah, attends, faut peut-être que j'aille là plutôt. C'est très spécial par ici. Ah, la radio. Ah, attends, moi aussi, je veux voir ça. Coucou.
D'accord. J'ai très peur de ce qu'on va devoir faire, mais je crois que j'ai compris. Pourquoi t'as un jouet, toi, 6? 6, lâche ce jouet. J'en ai un plus gros. Si jamais on le passe à la radio et je vois qu'il y a un être vivant là-dedans, ça va pas le faire. D'accord. Ça me rassure un peu. Oh, attends, les dessins. Il y a l'œil. L'œil, il est toujours centré. Il y a les vêtements et il y a ce mec mystérieux, je me suis fait spoil. Enfin, je me suis fait spoil qu'il est dans le jeu, quoi. Mais je sais pas qui il est, je sais pas quand est-ce qu'il apparaît, j'en sais rien. Et moi, je dis, il y a un truc dans les peluches. On met le jouet là. Oh, il y a une clé! Ah ah, là, d'accord! Il y a pas un truc coupant pour que je défonce, là? Je vais te tenir la main, viens. C'est trop mignon! Regardez-les, comment ils sont pipou! Donc, on sait aller où la clé, elle est dans un lapin. Nickel, bah on sait où va la clé, elle va là. Ah, et ici, il faut des batteries. Ah, et là, du coup... Ah, putain, il y a encore une batterie qu'il faut mettre ici. Il y a rien de coupant. Attends, ah, oh, un truc coupant. Ça, ça me plaît bien, ça. C'est quoi, ça? Non, non! Non! Ah, d'accord, sympa, par ici. Et hop là! Ah! Ah bah d'accord. Ah, je sais! On doit mettre le lapin là-dedans! L'incinérateur, il est pas là pour rien! Viens là, toi! T'as un petit tour au four à faire! Et allez, là-dedans! Non, non, pas toi, Mono! Oh putain, il est moche! Tu mérites de brûler, t'as vu comment t'es moche? Et voilà, hop là, on y va! Et la petite clé. C'est bon, on peut partir maintenant. J'ai qu'une hâte, c'est partir. Et on n'a toujours pas vu le monstre qui se cache dans l'hôpital. Je vais pleurer, c'est horrible. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est les hôpitaux et les films d'horreur. Donc quand tu joues à un jeu d'horreur dans un hôpital, c'est moyen pour moi. Mais c'est qui le taré qui découpe des membres là? Vous êtes sûr que vous voulez soigner les gens dans cet hôpital? Non, non, non. Moi je dis, il y a un trafic d'organes en cours. Hein. Putain de merde, ouh. Ah non, c'est bon, c'est des poupées, c'est pas des vrais. Oui, c'est bon, c'est des poupées, au calme. Lui, par contre, il m'a l'air bien réel. C'est vraiment une salle de chirurgie, mais pour poupées. Ah, mais non, mais c'est des mannequins. Enfin, c'est censé être un hôpital, mais c'est des mannequins. Mais tu me diras, après, tous les gens sont morts, donc ça ne me plaît pas du tout, tout ça. Ah. Attends, peut-être qu'on est par là. Ah bah oui. Ah, il y a une autre porte. Mais j'ai entendu du bruit. Hop là. Ah, si, je me laisse pas tout seul. Non. Oh non, non, je suis encore tout seul. 6, j'aime pas du tout ça. Oh non. Ah 6, reviens. 6, s'il te plaît. Ah, je vais mourir. Pourquoi? Je suis obligée d'être tout seul. Ah sa mère. Sa mère. Non, 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 non. Ah ah. Putain, j'ai cru qu'en éteignant la lumière, il allait pas me voir. Oh, c'est mort, non. Je te vois, la main, là. La putain de main, là. Je te vois, je te marche dessus. Elle est là et elle va m'attaquer, je fais comment, là? Là, elle va m'attaquer, comment je fais? Où est-ce que je vais? J'éteins la lumière et j'y vais. Mais t'es complètement taré! Lâche-moi! Ah! Ah! C'est clairement la chose dans Mercredi, quoi. Putain, va retrouver la famille Adam et laisse-moi tranquille. Non, 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 lâche-moi! Ah bah d'accord. Bah ok, j'ai glitch le jeu. Ah, je sais. Laisse-moi tranquille. Tu mourras pas. Faut que j'aille où maintenant? Ok, je vois. Il court vite. Ah. Oh putain, il y a le monte en plus. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Ah. 6. 6. Allez. Ah. 6. Ça va pas se passer comme ça! C'est moi qui te le dis! Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, laisse-moi tranquille! Ok, bon alors toi j'ai juré. Tu m'attraperas pas! Meurs! Il n'y en a pas d'autres, c'est bon? Je suppose que je vais devoir prendre cette batterie. Ah, c'est relativement calme d'un coup. 6, t'es où? Tu fais comment maintenant? Ah, d'accord. Pitié, dis-moi que 6, elle m'attend derrière. 6? La vie de ma mère, t'es où, 6? 6? Oh, 6! T'es là! Qu'est-ce que tu fabriques? Tu fais des... Tu les fais, les momies? C'est toi? T'as été embauché? On a une batterie. Donc là, faut mettre deux batteries, mais on en a qu'une. Par contre, là-bas, il y a une batterie encore. C'est bon, j'ai compris. Il y a le mec en fauteuil roulant de l'autre côté. C'est parti, 6, on y va?
Ça fait peur. C'est quoi ça? Pourquoi il y a du maïs? Bah, tu veux du maïs, Sis? Ah, ça fait trop peur. Par contre, je me demande vraiment pourquoi il y a du maïs, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas très plaisant. Et on a toujours pas vu le monstre de l'hôpital pour l'instant. Il y a une porte là-bas. Sis, tu me fais la courte échelle? Merci, Sis. Non, ça veut dire que je vais encore devoir être toute seule. Oh, il bouge ou il bouge pas, lui? Sis, reviens! C'est bon, il bouge pas. Sis? Pourquoi tu bouges quand je t'éclaire pas? Te jure, toi, la vie de ma mère, tu bouges pas! Sis, pourquoi tu m'as laissé tout seul? Tu jures s'il bouge? Putain, il vaut carrément bouger, ouais. Non, c'est bon, il bouge pas. Les gars, j'ai jamais eu aussi peur que maintenant. Pourquoi il y en a autant? Je cours, je m'arrête pas. Je cours, je m'arrête pas. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Elles sont où ces foutues batteries? Elles sont où ces foutues batteries? Sis, quand je te retrouverai, je te lâcherai plus jamais. Je dois aller où comme ça là? Frère, je sais pas, je dois aller où? Ah ok, si, c'est bon, je sais ce que je dois faire. Mono, pars de là s'il te plaît. C'est pas un hôpital, c'est une prison. Oh putain de merde. Ah, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je suis là-dedans? Laissez-moi tranquille. Écoutez, ma bien, c'est mort. Je n'activerai pas ce levier. Ah, ok, ça allume la lumière. C'est bon. Ah, faut que je fasse un peu confiance au jeu des fois. Hello, c'est moi. J'ai fini ma douche. Bonjour, monsieur. Vous bougez pas, vous, hein. Bon, est-ce que je vais devoir le pousser, lui? Mais je sais pas trop ce que je dois faire, là. Mais le mec a été attaché dans son bain. Bon. Peut-être que si jamais je réactive ça... Voilà. Pas très cool quand il fait noir, tu vois. Mais si jamais je rallume ça... Ah, oh, le bâtard. Rallume ça immédiatement. Ah, je pense savoir ce qu'il faut faire. Ok. Je vais éteindre la lumière, je vais la tirer hors de son fauteuil, et ensuite je vais aller réteindre la lumière. Rallumer la lumière, je veux dire. Il va me faire trop peur, ce bâtard. Lâche-moi. Non. Je préfère largement Little Nightmare 1 à Little Nightmare 2, d'accord? Retenez-le ça. Little Nightmare 1, ça faisait beaucoup moins peur. Et c'était beaucoup plus drôle. Surtout le niveau des cuisines. Le niveau d'hôpital, là, il me fait rire zéro. Non. Je déteste ce jeu. Hey, tu viens? T'as pas envie de venir? Je te jure, c'est sympa par ici. Si jamais je passe uniquement sur le côté. Par là, tu vois. Donnez pas sa vie, logiquement. Bon, bah il se réveille, même si on n'est pas face à lui. Ce jeu est affreux. Il est abominable, même. Est-ce que... Non, me dis pas que... Non. Mais je suis une bille. Je suis une grosse bille. Ah, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Je me barre de là. J'ai rien vu. Ah, c'était vraiment pas nécessaire. Ah oui! Oh! 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 J'ai jamais eu aussi peur de ma vie par contre. Voilà, et là son fauteuil. Oui, c'est bon. Ah, j'ai eu ma dose de peur pour la journée. Sis, dis-moi que t'es là. Sis, t'es où? Il va bouger, lui là. Regarde, ça se voit, il va bouger. Je vous déteste, les créateurs de ce jeu, je vous déteste. Je vous déteste tous autant que vous êtes. Si j'y vais accroupi. D'accord, j'ai compris.
Non. Et hop là. Et hop là. Je vais pas réussir. Oh, oh, oh. Oh oui. Oh, 6. Si tu savais comment j'ai galéré. 6, plus jamais tu me laisses tout seul. Bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant, 6? Oh là 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 là. Et à faire ça. Ah, la batterie. Ok, 6, je vais te balancer la batterie, d'accord? Tiens. Nickel. Et moi maintenant? Ah. Oh, nice! Oh, je t'aime, 6, si tu savais! Tu viens, 6? Ah, nickel. Ok. D'accord, t'as tout compris, 6. Oh, dis-moi qu'après on a fini l'hôpital, s'il te plaît. S'il te plaît, on a fini l'hôpital. On a fini l'hôpital? Ça me plaît vraiment pas, tout ça. On n'a pas fini l'hôpital, c'est ça que t'es en train de me dire? Je vous déteste! On n'a pas fini l'hôpital. Oh, tu te fous de ma gueule, on n'a pas fini l'hôpital. Ah, oh, je déteste ce jeu. Ah ah, toi, tu dégages. Non. Nia. Nia. Dégage. Ok. Si, ce je m'en occupe, vas-y. Ah. D'accord. Nia. Six, viens. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Mais on est où là? C'est quoi ça? Mais on est toujours dans l'hôpital? Oh, oh! C'est quoi ça? Oh! Non! Oh putain, il est affreux. Quelle horreur, mais quelle horreur. Mais c'est qui lui? On en a jamais entendu parler de lui. Oh putain, on a toujours pas fini l'hôpital. Ah ouais, 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 prends-le. Laisse-nous en dehors de ça. Il fait penser à un bébé qui joue. Putain, il va falloir qu'on trouve un truc pour ouvrir la porte. Il va falloir qu'on aille chercher un jouet là-bas pour ouvrir la porte. Ok, on y va. En douceur, en douceur. Je sais pas où je suis là, d'accord. Le ref, il gère un hôpital de poupées. J'ai arrêté de respirer pendant un instant. 6. Espèce de grosse malade. C'est bon, j'ai le jouet. Ok, en douceur, en douceur. Ah, 6. 6, viens. Ok, après je suis en doigt, allez, 6. Ok, 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 c'est le moment. 6, faut qu'on monte là. Mais comment ça? C'est lui le boss de l'hôpital. Moi j'ai cru qu'il y avait personne, il y avait que des momies dans l'hôpital. Pourquoi il y a lui là? Il est affreux. Il est affreux. C'est le pire niveau. Pourquoi il se déplace au plafond d'abord? Il y a un sol, c'est pas pour rien. Tu peux pas faire comme tout le monde. Non, c'est trop demandé. Nice. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait pas de sol à cet endroit-là. Ok, une clé. Génial. C'est un vrai bonhomme celui-là. Là. C'est des vrais pieds, ça. Ça, c'est pas une momie. Ouais, d'accord. Là, on est avec des vrais cadavres. J'adore ma vie. Voilà. Si tu me promets que quand je vais revenir là-dedans, tu me tires. Hein. J'ai pas envie de rester dans cette salle. Ok, on a besoin du coup d'une clé. Bah, nickel, elle est là. Je suppose qu'il va falloir se servir des corps, j'adore. Excusez-moi, monsieur, je vous sors de votre repos, j'ai besoin de vous monter dessus. Allez, le paracétamol, il dégage. Nickel. Ah, les clés, elles sont toujours au bon endroit. Ça, c'est drôle quand même. Nickel. 6, tire-moi. Adieu, monde cruel. Je repasse de l'autre côté. Merci, allez, on se tire de là. Dis-moi qu'après on a fini l'hôpital, je t'en supplie. Il arrive là. S'il te plaît, on sort. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Six, reste pas là. Elle est où la putain de batterie? Elle est là-bas. Comment tu veux qu'on attrape la batterie vu là où elle est? Bah vas-y, lave-toi les mains. Ce sera déjà plus propre. D'accord, on va aller par là. Ok. Non, six, je vais encore être tout seul. Non. C'est quoi ça? Il y a Frankenstein dans le lit. Si jamais j'appuie sur ce levier, il s'éteint, c'est ça? Ouais, va falloir que je le tue. Il est cool le jeu sinon. Hein. Faut que j'aille là et j'attrape le levier là. Ah ! Ouais, il est mort, il est mort, il est mort.
On se casse! Il est en train de réanimer son ami! Non, c'est trop triste, il est en train de mourir. J'ai juré, on va run. Ah, c'est horrible! Je suis pas d'accord avec ce que j'ai fait là. Six, cours! Six, cours! Ah, six! M'abandonne pas, six! Six! Ah! T'es un gros malade! Six, t'es où? Six, où est-ce que tu es? Six, viens! Six? Ah, 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 ah. Ah, le levier! Oh la vache. Oh bah d'accord, mais... Bah vas-y, mets-toi bien, 6, hein. Se réchauffe avec les cendres du mec, c'est horrible. Absolument tout dans ce niveau était horrible. S'il te plaît, on se part, 6. Oh la vache. Plus jamais, je ne referai pas Little Nightmare 2. Allez, c'est parti pour la suite. Et là par contre, je sais pas dans quoi on va tomber. 6. J'ai dit que jamais je ne t'abandonnerai. On reste ensemble. Allez. Il pleut encore. Oh là là, il pleut de plus en plus. Ah, des télés. Encore des télés. Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Eh bah ouais, bah évidemment. Oh. Bon bah c'est parti. Par contre, je sais vraiment pas ce qu'on va trouver là. D'accord. Ça a l'air très joyeux par ici. Il y a de la musique. Dis donc, lui, il a pas l'air très ambiancé par la musique, hein. Qu'est-ce qui se passe par ici? Est-ce que par hasard, Little Nightmare, ce serait une critique de la société? Comme quoi nous sommes attirés par nos écrans? Tu veux qu'on fasse quoi maintenant, 6, là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bouc, il est tombé du toit et il est allé foncer dans la télé? On peut m'expliquer ça? Vas-y, 6, je t'éclaire. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Il regarde pas la serrure pour regarder la télé? Ils sont vraiment attirés par la télé. Mais ouais, regardez! J'ai très peur de quoi découvrir derrière cette porte. Ouah, mais carrément dans sa salle de bain, le mec! C'est charmant par ici, il y a eu un éboulement, j'ai l'impression. Hi, j'ai failli mourir! Ouais... Ha! Ok, c'est ça! 6, reste dans l'ascenseur, j'arrive. Bah voilà, tu vois, je suis là. Ah non, la clé. J'arrive, 6. Allez, 6, viens. Faut que j'aille où, maintenant? Ah, voilà, on fait ça, tu vois. Ah, et on peut peut-être monter au fil de l'ascenseur? Bah non, du coup, on peut pas monter au fil de l'ascenseur. Mais je suis pas d'accord, c'est logique! J'ai pensé de manière logique! On peut monter grâce au fil de l'ascenseur, et en plus, il y en a deux! Oh merde, la clé. Je suis pas d'accord avec le jeu là, j'ai pensé de manière logique. Meurs pas, meurs pas, meurs pas. Ouh. Bon là ça va, je sais qu'il y a aucun monstre qui va nous attaquer, donc je suis en détente. Maintenant il s'en va. Et maintenant si on le réactive? Ah, et on va aller sur le toit de l'ascenseur. D'accord. En fait, si, ça allait trop intelligente. Là il y a une caisse. Oh, attends. Nous avons deux possibilités de sortie. Soit nous avons la jolie fenêtre qui mène vers la lumière, soit nous avons... ce conduit qui ne m'inspire pas du tout confiance. Ouais, c'est par là, ok. On va juste aller voir dans le conduit vite fait, d'accord? Ah non, mais moi j'ai pas peur, hein, moi j'y vais. Je sens que je vais le regretter si fort. Oh, bah oui, c'est pour ça. Possède-moi. Très sympathique tout ceci. 6. Mais 6, viens, 6. 6, elle est en train de faire une dépression. 6, je comprends que ta santé mentale est mise à rude épreuve. T'inquiète pas, tu vas me tenir la main et comme ça le pouvoir de notre amour va nous rendre plus forts. Il pleut encore d'ailleurs. Hein. Oh la lumière, elle m'appelle. Moi je pense que c'est là-bas qu'il y a le boss final. La tour radio, mais ça expliquerait les télés et tout ça. Vas-y 6, fais le linge. C'est parti. Je lui fais son meilleur tour de manège. Mais 6, t'es au courant que je vais mourir là? J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Mais tout va bien. Mais là, il n'y a pas de musique, ça fait trop peur. C'est obligé de grincer comme une maison hantée. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Oh, sa mère. Faut peut-être qu'on court, 6. Ouais, 6, faut qu'on court. 6! 6, non! Faut qu'on pousse la porte. 6, poussons la porte. Oh putain, 6! Cours! Pourquoi tout s'effondre sur notre...
chemin. Mais c'est quoi le délire dans cette maison là? Pourquoi on allait... Dans la seule maison qui s'effondre? Oh 6! Non 6! 6! 6! Non 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 non. Ça va aller. J'ai plus ma lampe torche. Non, ma lampe torche. Elle marche plus. Ma lampe torche. Non, repose en paix. Oh non, c'est bâtard là, de m'avoir retiré ma lampe torche par contre. T'es solide si ça. Pourtant, t'as des jambes vraiment pas très costauds. J'ai plus de lampe torche, donc ça fait très peur. D'accord. C'est qui ce monsieur là? Bon, à mon avis, cette pièce ne sert à pas grand chose. Va peut-être aller en dessous, genre. Je ne suis pas rassurée. Ça fait trop peur. Non, la porte elle s'est refermée. Je veux mourir. Nice. La télé veut me posséder. Est-ce que cette fois je vais pouvoir traverser la porte s'il vous plaît? Parce que c'est bien beau de montrer une porte, mais laissez-moi l'ouvrir. Voilà, nous y sommes. Hey, je suis très proche de la porte cette fois. Allez, laisse-moi entrer dans ta demeure. Je ne sais pas qui se cache derrière cette porte, mais je vais le découvrir. Je suis presque. Oui, c'est pour maintenant. La porte. Oh. Vous. Il est vachement grand. Bon, du coup, on a vu le monsieur, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Oh, il va venir. Oh, attends, cinématique, là. Cinématique, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du jeu? Reculez-vous, hein, reculez-vous. Il va sortir de la télé, vous allez rien comprendre. Mono! Mono, recule! Si, cours pour ta vie, parce que... Tu vas me rendre 6 immédiatement. Rends-moi 6. Rends-moi 6. Wow, 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 wow. Wow. Je suis où, là? Je peux avoir ma lampe torche, au moins? C'est quoi, ça? Pourquoi? Pourquoi ça doit être si dégueulasse, votre jeu, là? Donne-moi 6. D'accord, c'est mon nouveau moyen de téléportation. D'accord, la télé, d'accord. Non, par contre, là, je sais pas trop comment tu veux que je fasse, en fait. Tu veux que je m'accroche à toi? C'est fou comment mes idées, faut vraiment pas que je les écoute. Voilà, je l'ai mise jusqu'au bout, et maintenant, je dois faire quoi? Ah! Bon. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ah, je sais, j'ai compris, c'est un nouveau moyen de téléportation, j'ai compris, c'est bon. Il m'en faut du temps quand même, hein, pour comprendre. Comme ça, on remonte par là. Genre, attends, le tas, là, le tas de débris, là, il est très bien positionné, comme ça je peux atteindre la poignée. D'accord, je pensais que la porte allait s'ouvrir, pas tomber. Et comme ça, on va se re-téléporter, vu qu'apparemment, j'ai développé un super pouvoir de me téléporter à travers les écrans, quand même. C'est super drôle. Bon, apparemment, le grand monsieur aussi a ce pouvoir-là, hein. Bon, à mon avis, tu vois, là, il n'y a pas de monstre, en fait. C'est seulement le parcours que je dois faire pour retrouver 6. Par contre, ça va se casser. Non, c'est bon, ça tient. Moi, je suis vachement léger, quand même. J'ai cru que j'allais mourir. Ok, 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 ok. Tout se passe bien pour l'instant. On attrape ça. Ah, ça, ça me rappelle Little Nightmare 1. Ah, ça aussi, ça me rappelle Little Nightmare 1. Ah, ah,
Mono et moi, on a un point commun. On crie de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a zéro crédibilité, zéro virilité. On crie juste. Et tu sautes. Et c'est bon. Ça, c'est l'entraînement de Little Nightmare 1, ça. T'as, ils ont compris comment nous entraîner à nous balancer, hein. Ok, là, on peut pas monter, donc on va passer par là. Mais c'est bien parce que je sais pas où je vais, là, hein. La musique, elle m'ambiance un petit peu, genre... J'ai failli mourir, mais j'ai fait preuve d'intelligence. Là, tu vois, à mon avis, faut allumer la télévision. Bon, là, par contre, on va pas se mentir que c'était un gros porc, hein, qui pouvait pas se détacher de sa télévision. Allez, prends la télécommande et appuie dessus, s'il te plaît. Ouais, appuie dessus. Tu peux appuyer dessus. Il veut pas... Appuie sur la télécommande. Ah, ok. Me téléporte. Et me voilà en haut. Sympa, quand même, d'avoir mis des télés à tous les paliers. Mais c'est dingue, ça. Vous pouvez pas vous passer de télé. C'est quoi, ça? C'est la poste? Oh, la musique, ça, ça rappelle Little Nightmare 1, ça. Il y a une chaise là, très bien. Tu me casses les couilles toi, éteins-toi. Bah non. Faut que je... Ah, pas cette musique. Tais-toi. Je sais pas si j'ai bien fait d'éteindre la télé parce que du coup il y a plus de musique et donc du coup ça me met un peu un chouïa mal, tu vois. Ça me met super mal qu'il y ait pas 6 là. Ah, la télé. Dis-moi que tu fais un meilleur son toi. Oh, sympa la musique. Non, pas cette musique. Tais-toi. Tu peux me laisser entrer? Bon, attends, je peux remonter là? Par contre, c'est dingue, comment je vois rien? Rendez-moi ma lampe torche, s'il vous plaît. Ouais, je vais bien là, d'accord. Mais le truc, en fait, c'est que si je l'allume là, bah, je vais me téléporter là-bas, du coup. Je comprends pas trop la logique, là, Little Nightmare. Éclaire-moi. En me donnant une lampe torche. Mais voilà, je me téléporte là-bas. Oh, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Je comprends pas. Attends, là, il y a quand même un chariot. Oh ! Eh, hey, j'en aurais mis du temps avant de comprendre, hein, le chariot, là. Faut forcément le pousser. Bah oui, bah c'est évident. Bah oui, bah maintenant que je le sais, je me sens débile. Mais c'est fou de se sentir nul à ce point. J'ai un QI négatif ou quoi ? Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais pourquoi il a pris 6, en fait ? Genre, c'est tellement plus bénéfique pour lui de me prendre moi, puisqu'on se voit à chaque fois, là. Pourquoi il a pris 6 ? Oh, je sens que je dois faire un petit peu de tyrolienne, moi. Et c'est parti! Hop là! Surprise! Moi je fais des entrées surprenantes quand même. Oh, bonjour madame. Oui, je comprends que la télé vous attire. Oh attends, si je lui éteins la télé devant elle, genre. Ah! Je suis désolée! C'était pas mon intention! En fait, tant qu'il y a la télé, elle m'attaque pas. Si je me mets devant elle, genre... Mais ta télé, elle fonctionne pas très bien, hein. Je sais pas trop ce que tu attendais, là. Oh, attends, peut-être... Oh, je sais. Ok, nickel. Vous permettez que j'entre dans votre télé, madame? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? À mon avis, la dame, elle était pas d'accord que j'entre dans sa télé. Allume-toi, toi. Ah, elle va aller voir l'autre télé! Plutôt que de rallumer celle-là, elle va aller en voir une autre. Bonjour, madame. Mais par contre, change de canal, hein. Oh! Oh, la gueule! Oh, si j'aurais su que tu ressemblais à ça, mais je t'aurais déjà découpé. On a un autre zombie ici. Mais j'ai compris, en fait, c'est un jeu de zombies. Bon, le truc, du coup, c'est qu'il va falloir que j'allume celle-là. Et que, du coup, j'éteigne celle-là. Du coup, naturellement, il va aller voir l'autre télé, par contre... Ah, il va bien au moins le coco là. Moi je vais aller vérifier par moi-même, hein. Mais bon, il va tomber sur le toit de cette charmante femme et ça va donner lieu à une charmante histoire d'amour. Je crois. Sont-ils au moins capables de se reproduire ces monstres? Tiens, va voir l'autre télé mon ref. Regarde, elle t'appelle. C'est génial. Mono, reviens Mono. La petite baignoire. Y a-t-il un truc dans la baignoire? Je suis intriguée par les baignoires. Par contre, il pleut tout le temps, en fait, ici. Pourquoi il y a un lit encastré dans le mur? Mais en fait, je m'éloigne de plus en plus de la tour. Et la tour, c'est certainement là où est retenu 6. Non, monsieur! Ne sautez pas! La vie réserve tellement de belles choses! Non! Ne sautez pas! Tout va bien se passer! C'est la tour qui les pousse à se suicider? J'ai pas passé 107 ans ici, moi. Voilà. Bon bah j'ai assisté à la mort de tous ses disciples. Je vais mourir. Allons-y.
Ah, la petite télé, on a l'habitude. Eh, mais j'ai qu'une seule télécommande et ça allume tout, ça me fume. Mais mec! Oh, vachement solide le câble, ça m'arrange. Voilà, maintenant on va rentrer chez qui? Oula. Pourquoi ça bouge? Il y a un monstre derrière, il est attiré par la télé. Attends, le problème du coup c'est que j'ai activé ça et que je peux plus le désactiver, donc je vais être obligée de... Je vais vous ouvrir, monsieur. Et en fait, va falloir que j'électrocute, mais c'est horrible. Ah oui, en fait non, il veut vraiment me mordre quoi. Merde. Ah. D'accord. Par contre, c'est vraiment barricadé ici. Attends, on peut aller à trop d'endroits là. On peut faire trop de choses là, on peut aller par là. D'accord, on va éviter d'aller par là, ok, c'est pour une cage d'ascenseur. J'ai compris. Je peux aller par là, s'il te plaît. J'aurais peut-être dû allumer la télé. Ok. Ah, viens là, toi. Bah honnêtement, je n'ai pas peur. Je suis plutôt dégoûtée, en fait, de la société. Au final, je suis un peu différent de la société, moi. Moi, je n'ai pas besoin de télé pour survivre. Je joue sur ma télévision, en plus. En fait, j'ai pas mon mot à dire, quoi. C'est quand même vachement bien fait. Ok, c'est bon, je vais pouvoir monter. Bah ouais, ça le problème. Ah non, c'est bon, ok. Ah, vite, Mono. Vite. Ok, c'est bon. Mais moi, j'ai tout compris, en fait. Il n'y a plus de... Oh, tu es abominable, toi. Dégage. D'accord, nice. Voilà, je savais qu'il fallait aller par là. Mais en fait, là, ouais, on a vraiment juste quitté les habitations et la poste. Ça va encore m'électrocuter, ça. Non, mais sérieux! Oh non, c'est triste de voir une mamie piégée par la télévision. C'est pas de votre temps, ça. Oh ah. Ok, ok, ouais. Merde! Et voilà. Mais en fait, c'est horrible. Pourquoi je l'ai tué? Oh non, tu déconnes. Non, la télé. Ah putain, la télé, t'aurais pu supporter le coup quand même. C'est pas grave, heureusement qu'il y avait un tabouret quand même. C'est pas grave, je me téléporterai une autre fois. Oula. Oula la 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 la. Mais là, si je coupe la télé qui les agglutine ici, je vais mourir. On est encore au bureau de poste. Oula. J'ai bien l'impression qu'il va encore falloir désactiver une zone électrique là. On va descendre là-bas. Mono, pourquoi tu fais le moonwalk là? Ah non, mon Mono il est bugué. Mono, mais qu'est-ce qu'il fait Mono? Regardez comment il marche. Attendez. Je vais juste revenir parce que là il y a un petit problème. Ok, mais voilà là. Là c'est bon, tu marches normalement Mono? Ouais, ça a l'air d'être bon. Oula, ça c'est un compteur électrique. Ah, pourquoi c'est suspendu ce truc là? On dirait un bébé. Ah, comment je vais faire là? Ah bah attends, le caddie. Il est pas là pour rien le caddie. Allez, salut. Mais c'est que tu te places vachement bien toi. Attends, on peut passer par là? Ah ouais, facile le parcours quand même. Et voilà. Et donc là du coup je peux passer dans la télé. Non, la télé, rallume-toi. Ah mais non, mais je sais, maintenant faut emmener le caddie là-bas. Faut vraiment avoir un cerveau à au moins 102 de QI là pour jouer. Par contre je pense que je vais vraiment avoir peur, tu sais, au moment où il va falloir affronter le monsieur pour sauver 6. Ça se trouve le monsieur en vrai il fait pas peur hein. Moi perso il m'a pas fait peur hein. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe 6, attends-moi. Hop là. Et hop là. Entre dans la télé, Mono. Ah, mais pourquoi il y a autant de gens? Faut que je fasse quoi, là? Donc là, je l'ai allumé. Et je vais devoir éteindre celle-là. Et va aller vers l'autre, du coup. Bon, là, je vais pas essayer de les libérer, hein. Oh, Mono! Mono, vite! Oh. Bonjour. C'est... Oh non. Oh non, non, me dis pas qu'ils vont me poursuivre. Me dis pas ils vont me poursuivre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a aspiré mon âme. Ouh, je vais pas aimer ça. Ouh, je vais pas aimer ça. Mais allez voir l'autre télévision. J'ai allumé l'autre télévision. Allez la voir. Laissez-moi tranquille. Bande de tarés.
Enfin voilà, il y a des télévisions là, laissez-moi tranquille. Voilà, c'est bon. Au calme, c'est bon, donc je me suis maintenant. Je ne suis pas une télévision, laissez-moi tranquille. Bon, je sais pas trop où j'ai atterri, mais c'est hyper calme et ça me plaît pas du tout. Si, c'était où? Ouais. Bon, bah on y va, hein. 6! 6! Viens, 6! Non! Non, 6! Mais Vélété! Rends-moi 6! Oh putain, attends, il va arriver! Marche lentement, heureusement! Lâche! Il fait trop peur! Si elle est encore en vie, il lui est rien arrivé pour l'instant, mais je sais pas ce qu'il lui veut, le monsieur. Il est au-dessus, ce bâtard. Ouais, non, c'est lui, je reconnais sa pointure. Au moins, toi, t'as un visage à peu près normal. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Oh putain! La silhouette comme ça là! Je vais te fuir! Je vais tomber là! Oh, toboggan! Rattrape! C'est bon, là je suis hors de son emprise. C'est un train ça? D'accord, c'est oppressant de fou! Bonjour monsieur! Et TGV! Bah non, j'avais un seul truc à faire, c'était sauter. T'es là! T'étais pas là il y a 5 minutes! Monsieur, il va falloir qu'on montre qu'à un moment je ne veux pas vous voir! C'est le mec de TFA. Mais c'est de la triche! C'est bon. Mais pourquoi traverser les murs? Il n'y a que moi qui ai le droit de me TP, c'est pas juste ça, monsieur! Ok. Là, tu vas pas pouvoir passer! Parce que tu es trop grand! Ya! Salut! Tu ne vas pas m'avoir! Ah, t'as le seum, hein! Salut! Ouais, par contre, moi je vais où là? Ça va un peu vite là! Bah, nice, Mono, hein! Ouais, bah maintenant je vais où là? Bon, au moins je lui ai échappé! Mais c'est pas la fin du jeu! Allez, lève-toi, Mono! Tu dois retrouver 6. Qu'est-ce qui se passe, Mono? 6! 6, je suis là! Non! Par contre, j'ai l'impression que je suis blessée. 6, je suis là. Non, 6, où est-ce que tu es? Là-bas. Attends, 6, je me suis cassé une côte, ça fait mal. Ah ouais, je crois vraiment que je me suis blessée, quoi. Ouais, je me suis cassé le dos, en fait. 6, je suis là. 6, attends-moi. Faut que je monte, c'est ça? Si c'est pour sauver 6, je monterai toutes les échelles du monde. Les égouts. Oh. Oh là. Oh, mais laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu retires ton masque, Mono? Eh, regarde, je suis comme toi. J'ai des cheveux. Qu'est-ce qu'il fait? Oh. Qu'est-ce que je suis en train de faire? D'accord, c'est le combat final. Dégage! Ok, en fait, je dois repousser sa main. Je dois viser sa main avec ma manette, j'ai compris. C'est hyper stylé. C'est super stylé. Tu ne mourras pas et tu vas me rendre 6. En fait, j'ai l'impression d'avoir les mêmes pouvoirs que lui, du coup. Est-ce que ça serait mon père? Cette fois, c'en est fini. Tu en veux encore? Ok, je pense que c'est fini.
Ouais, ouais, c'est fini. Tu te décomposes. Oh, la musique, elle est exceptionnelle. Je peux bouger ou pas? Oh, attends, qu'est-ce que je dois faire, là? Je vais casser les ampoules, là. Faut que je monte ma puissance au monde. Oh, les pouvoirs de zinzin. Oh. D'accord. Bon, juste avant, je vais juste récupérer mon masque. Je peux pas récupérer mon masque? Il est là! Je le vois! Je peux pas récupérer mon masque! Je peux mettre un chapeau? J'ai plus de chapeau! Du coup, je vais devoir jouer mono avec son visage. Mais c'est quoi ça? Comment ça, c'est pas la fin du jeu, là? Ah bah non, bah faut retrouver 6, peut-être. Moi, j'y vais, hein. Ah. Bon. Où est-ce que ça va m'emmener? Non, j'ai plus mon petit sac! Oh, c'est dommage. Me voilà enfin devant cette fameuse porte. Et peut-être que je pouvais pas y aller justement parce que j'avais mon masque. Bon, par contre, je sais pas dans quel état je vais trouver 6. La fameuse porte avec l'œil. 6 ! 6, où es-tu ? Il y a le thème de 6. La musique, c'est le thème de 6. Ouais, d'accord. Non ! D'accord. Pourquoi je peux pas aller dans cette porte-là? Pourquoi je dois aller dans celle-là? Ok, je vois le bail. Si, je vais monter n'importe quel escalier pour venir te chercher. Je vais monter toutes les marches. Mais je comprends pas trop le délire de téléportation, là. Alors, ça va pas le faire, ça, les gars. Mais non, mais je réapparais là! C'est quoi, ce délire? Mais sérieux, laisse-moi retrouver 6! Je comprends pas. Ça commence à me saouler. Oh! Attends, j'ai pas trop compris comment j'ai fait, hein, mais... Non! Oh non! C'est un casse-tête! Je ne comprends pas. Il y a peut-être un rapport avec la musique, genre... Attends, faut peut-être aller là où il y a la musique. Oui, d'accord, c'est bon! J'ai compris, il faut aller là où il y a la musique. Là, il y a la musique. Putain, j'ai mis tellement longtemps à comprendre. Faut aller là où il y a la musique. Si, ça nous guide grâce à sa musique. Mais oh, je suis tellement débile, j'ai pas compris ça tout de suite. Ok, la musique, elle est là. Non. Là. Quoi? Non. Elle est pas là, la musique. Elle est pas là, elle est là-bas. Elle est là-bas. 6. Attends. Attends, je sais. Allez. Ok. Vite. Ok. Est-ce qu'elle est là? Elle est là. Ok. 6. Merci de jouer de la musique pour nous. Oh, toujours plus de portes, hein. Là. Oh la vache. Attends, je peux pas passer là. Ok, là. Mais c'est dingue, ça! Elle, pour pousser des objets. Comment ça, pour pousser des objets? J'ai rien à pousser, là. Ah! Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est pas un pylône, ça. C'est une planche, là. Nice. Donc, par là. Elle est pas là, la musique. Tombe pas, mono, c'est pas le moment. Elle est là, la musique. D'accord. Attends. 6! J'arrive! On est bientôt à la fin. Ok. Tu es là, 6? Non. Oh, 6, c'est toi? C'est moi. Tu me reconnais? D'accord.
Viens. La vache, t'as grandi, 600. Oh, attends. Non, je vais pas devoir la taper quand même. Non, je refuse. Je vais détester ce que je vais devoir faire. Faut que je casse la boîte, hein, pas 6. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, la vie de ma mère, j'aurais pas dû faire ça! Non, 6! Oh vache, qu'est-ce qui s'est passé? Non, 6, je suis désolée! 6, je suis désolée! C'est quoi cette fin de jeu affreux? Non, 6! 6! C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, 6? C'est pas possible, ça peut pas être toi. 6, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? D'accord. Ça ne me fait pas peur du tout. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. 6, c'est moi. D'accord, je ne t'appellerai plus. 6, ce que je te propose, c'est que je vais t'appeler, tu vas me courser puisque tu as l'air d'en vouloir à ma vie. Je vais traverser ce portail et je vais aller défoncer ta caisse. T'inquiète, je fais rien. Ok, elle a l'air de vraiment tenir à sa boîte. D'accord, je refuse de croire que c'est 6. À mon avis, t'es juste un monstre qui a aussi un kawaii jaune. T'inquiète. Oh putain, mais elle me met des patates. Mais où est-ce? Mais bon. Yeah. Ok. Mais wesh, dès que je pose un pied sur le tapis, elle me met une de ses droites. D'accord. Ça va être compliqué, hein, comme ça. Tu le sais, ça, quand même. Oui, mais encore. Oh, dis-moi qu'on va retrouver la jolie petite 6. Bon bah, elle est pas là. Par contre, ça résonne de fou, hein. Là, ça me fait peur. Toujours plus, hein, les entrées, hein. Toujours plus. Ok. C'est bon, c'est la troisième fois. Normalement, tu es censé revenir avec moi, 6, s'il te plaît. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, 6. Hein. Il faut que tu... Mais toujours plus. Elle est où, ma hache? Oh, la hache, elle est là-bas. Oh merde, la hache, elle est là-bas. Comment je vais faire pour la récupérer, la hache? Putain, je peux pas aller récupérer la... C'est tellement affreux. Oh putain, puis en plus ça peut mettre ses longs bras là. D'accord. J'ai juste mal calculé mon coup cette fois-ci. Ah d'accord. J'ai une idée. Oula, dangereux. Faut vraiment que j'arrive à récupérer ma hache. Je vais essayer de rapprocher la hache le plus près possible de la boîte musicale. Elle m'a eu. Y'a rien que je peux prendre ici pour lui jeter à la gueule. Regarde, j'en ai la hache, je dois la récupérer par là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la tirer par ici pour apparaître là-bas. Pour ensuite aller dans cette porte et apparaître dans cette porte pour ensuite défoncer sa boîte à musique. Maintenant, je vais la tirer par là. Non. J'étais presque, elle m'a mis un coup de coude. J'ai la technique, faut juste que j'aille récupérer la hache maintenant.
Lâche, c'est bon, je l'ai. C'est parti. Ok. Maintenant, on la tire par ici. Yeah! C'est bon. C'est bon, c'est la dernière. Six. Six, reviens parmi nous. Six. Six. Non, six. Six. S'il te plaît, retire tes mains, six. Ok. C'était violent. Oh, mais comment elle se déplace? Et c'est quoi ça? On est dans quoi là? Après, peut-être qu'elle me reconnaît pas parce qu'elle voit mon visage. D'accord, elle nous attaque pas. Mes frères! Ça va aller, Sis. Je vais t'aider. S'il faut que je détruise ta boîte à musique pour que tu redeviennes comme avant, je le ferai! Oh mon dieu. Oh mon dieu. Sis! Sis, tu reviens à toi? Sis! Yeah! Ok. J'étais pas sûre qu'il fallait le taper une deuxième fois, mais finalement. Sis! Sis! Six. Six. Oh, je suis de retour. Oui, c'est moi, six. Oula. Il va falloir partir, là. Six. Viens avec moi, viens avec moi. Ah oui, merde, vous me donnez par là. Ah, je t'aime, six. Six, 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 attends-moi. Six. Il me suis fait gober. J'adore ma vie. Je vais y arriver, je vais y arriver. S'il te plaît, c'est vraiment le passage qui fait le moins flipper au monde. Et je meurs. Ok, ouais, donc là par contre je reste sur la plateforme. Ok. Oh, ça me dégoûte, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Ah, six, six, ah. Vas-y, six, on va y arriver, on va y arriver. Attends, attends, pourquoi je me lève pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un ralenti? Non! Non, 6! 6! 6! Ah! Merci, 6! Remonte-moi! 6? 6? Qu'est-ce que tu fais? 6! Espèce de petite connasse. Espèce de petite connasse. Je t'ai sauvé la vie. C'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai sauvé la vie. Je t'ai aidé à redevenir normal. Je t'ai libéré de la maison du chasseur. Et c'est comme ça que tu me remercies? Une chaise? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis devenu vilain là. Je suis devenu un vrai méchant. Qu'est-ce qui est en train de se passer?
Ouais, je vois tous les yeux rivés sur moi, là. Je m'assois. Non, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas bouger là. Ouais. Excusez-moi, je suis encore choquée de ce qu'a fait 6 là. Ouais, assis-toi. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Quoi? Mono, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je redeviens le mec de TF1 là? Je veux savoir ce qui se passe. Je suis en train de grandir en fait. Mais je vais rester combien d'années sur cette putain de chaise? Qu'est-ce que je vais devenir là? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Mais je suis redevenu ce mec? Mais pourquoi je suis devenu ce mec? Mais c'est pas moi ça! C'est pas moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Pourquoi je redeviens ce mec? Je l'ai tué! Pourquoi? Et je suis où là? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi ça? C'est genre, est-ce que je sais pas trop comment l'interpréter. 6, je vais te retrouver, je vais te marave tes grands morts. Je vais te défoncer tout ton arbre généalogique. Non, c'est pas comme ça que finit Little Nightmare 2, s'il te plaît. Et 6, elle est devenue quoi? Mais quoi? Je pense que je vais être honnête avec vous. Je vais éteindre ma PS4 et je vais aller pleurer. Les gens là, tous les gens que vous voyez là, je les maudis. Je les maudis pour avoir fait un jeu aussi exceptionnel. Puis en plus, tu me remets la vieille musique de Little Nightmare 1 là, mais tu t'es pris pour qui? Il y a vraiment pas de fin là. Là, j'ai fini le jeu. Et genre, si ça, elle est partie dans la télé, déjà, elle peut même pas traverser la télé, donc elle s'est retrouvée bloquée là. Je suis en train de rager. Pourquoi tu m'as laissé tomber comme ça? Et du coup, oui, j'ai vu les théories comme quoi Little Nightmare 2 se passe avant Little Nightmare 1, mais ça n'explique pas comment 6 s'est retrouvé bloqué dans une valise. Ouais, bah tous les gens qui apparaissent à l'écran là, je vais vous retrouver et je vais vous cracher toutes les émotions que vous m'avez fait traverser lors de votre jeu. Je sais pas, je suis passée genre de la peur. Oui, ça, 90% du cas c'était de la peur. Il y a eu des moments mignons, donc vraiment de la tendresse. Il y a eu de la frustration, oui, ça se dit comme ça. Il y a eu de la frustration. Et là, il y a de la colère. Et maintenant, il y a de la tristesse. Pourquoi elle nous a laissé tomber? Ça lui servait à quoi de nous laisser tomber, en fait? Je comprends pas, en fait, pourquoi elle a fait ça. On aurait carrément de meilleures chances de survie à deux. Pourquoi elle m'a laissé tomber? Pourquoi elle a décidé de continuer toute seule? Je vois toute ma vie défiler devant mes yeux, là. L'histoire est folle. Comment ça, reprendre? Y a pas de reprendre. J'étais matrixée par ce jeu-là, je viens d'être dégoûtée à vie.